Seigneur soit béni, soit glorifié. Toi qui es en direct, toi qui es connecté, toi qui es en ligne avec nous dans notre programme L'École du Saint-Esprit, toi qui es en direct sur Shiloh TV, que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Je vais juste exhorter un peu. Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous allons lire vite Matthieu, chapitre 6. Le verset 33, la Bible dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je relis encore la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. La Bible nous dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tu dois donner à Dieu la première place dans ta vie. Beaucoup de gens entendent que s'ils ont quelques problèmes, s'ils ont des soucis, c'est là qu'ils commencent à chercher Dieu. Or, ce n'est pas ça. Dieu doit avoir la première place dans ta vie de tous les jours. Dieu doit être glorifié tous les jours de ta vie. N'attendre pas simplement quand il y a des problèmes. N'attendre pas simplement quand rien ne fonctionne dans ta vie pour chercher Dieu. Même quand tu as de la joie, tu dois glorifier Dieu. Même quand tu as de la paix, il faut glorifier Dieu. Dieu doit avoir la première place dans ta vie. Avant chaque chose de ta vie, tu dois remercier Dieu. Tu dois prier Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et sa justice. Et toutes les choses de ce monde vous seront données par lui. Et ça sera pour lui aussi. Tout ce qu'il nous peut, ils peuvent nous donner. Mais nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu. Nous devons chercher d'abord son royaume. Vous comprenez? Donc tu dois donner toujours, donc tu dois avoir toujours l'habitude d'invoquer Dieu, de glorifier son nom nuit et jour, et de lui donner les premières places de ta vie. Dieu doit prendre la première place de ta vie. Vous comprenez, mes amis? Même tes enfants, tu dois les apprendre à donner à Dieu la première place de leur vie. Que tes enfants, le matin, quand ils se réveillent, ils doivent remercier Dieu d'avoir bien dormi. Remercier Dieu pour la journée qu'ils doivent commencer. Bénir Dieu. Que Dieu puisse les protéger quand ils vont dehors et quand ils vont revenir. Car celui qui protège notre départ et notre arrivée. Que les anges de Dieu puissent les accompagner. Donc tout ça, c'est donner à Dieu la première place de votre vie, de nos vies. Donc nous devons le faire tous les jours. Donc avant toute chose, nous devons toujours glorifier Dieu. Donc là, nous venons de lire Matthieu chapitre 6. Nous avons lu aujourd'hui Matthieu chapitre 6, verset 33. Donc vous pouvez lire aussi vous-même chez vous à la maison. Luc chapitre 6, verset 45, de 45 à 49. Luc chapitre 6, à partir du verset 45 à 49. Vous pouvez prendre Psaume chapitre 63, verset 2. Vous pouvez lire aussi Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, verset 6. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Donne à Dieu la première place dans ta vie. Que Dieu soit béni. Mais c'est tout bas qui se sont là ça. Mais c'est Stinkton qui se sont là ça. Mais c'est Westel qui t'a fait the mic again. Oh, bien loué Jésus, merci. Praise the name of Jesus. Style. C'est pas le style. Et nous faisons la nouvelle.